Bonjour, alors là, suite au premier tuto que j'ai fait sur les déclinaisons d'accords, on va travailler aujourd'hui sur les accords de sur l'accord de La mineur. Alors savoir que le La mineur, on n'utilise que ces quatre cordes-là. Autrement, on n'a pas la bonne tonalité parce que... Donc, par contre, la position des doigts, ça va être différente par rapport à la position classique, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'index, on met le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. On obtient un La mineur. En décollant d'une case, on va venir mettre son index en barrage sur les deux premières cordes. Là, on va obtenir un La mineur dièse ou un Si mineur bémol. Décalant d'une case, toujours en frappant les quatre premières cordes, on va obtenir un Si mineur. En décalant d'une case, d'un demi-ton, c'est-à-dire entre Si et Do, à la troisième position, on obtient un Do mineur. En décalant d'une case, c'est-à-dire en se mettant en case 4, on va obtenir un Do mineur dièse ou un Ré mineur bémol. En se plaçant en case 5, c'est-à-dire la case du La, on va obtenir un Ré mineur. En décollant encore d'une case, on va obtenir un Ré mineur bémol, un Ré mineur dièse ou un Mi mineur bémol. En décalant d'une case, on va obtenir un Mi mineur. Alors là, c'est en case 7. Alors, contrôle. En décalant encore d'une case, on va obtenir un accord de Fa mineur. En case 8. En décalant encore d'une case, on va obtenir un accord de Fa dièse mineur ou un accord de Sol mineur bémol. En décalant encore d'une case, c'est-à-dire on va arriver à la case numéro 10, on va obtenir un Sol mineur. Case numéro 10. Sol mineur. Si on augmente encore d'une case, on va augmenter, on va obtenir un Sol mineur dièse ou un La bémol ou un La mineur bémol. Et si on augmente encore d'une case, on va obtenir un La. Un La mineur. Voilà. Ça c'est pour le La mineur. On a vu les accords découlant du La mineur, on va partir sur l'accord découlant du Ré mineur. Donc le Ré mineur, index corde 1 et 2 en première case, majeur corde 3 deuxième case, annulaire corde 2 troisième case. On obtient un Ré mineur. Bon, pour cet exercice, on va augmenter une note, c'est-à-dire que l'annulaire va passer toujours en troisième case, mais à la corde 4. Et il y a notre, il y a l'annulaire, l'auriculaire, qui va venir en case 2. En corde 2, case 3. Voilà. On peut dire qu'on a un Ré mineur Fa, avec une base de Fa. Si on décale une case, on va obtenir un Ré dièse mineur. Ou un Mi mineur bémol. Si on décale d'une case, on va obtenir un Mi mineur. Alors, le Mi mineur. Le Mi mineur en case 3, en général, c'est un accord qui est utilisé souvent sur les chansons, dans les chansons de Georges Brassens. Brassens utilise souvent ce Mi mineur-là. Donc, en augmentant à la quatrième case, on va obtenir un Fa mineur.
position de Ré, en case 4, on obtient un Fa. En case 5, on va obtenir un Fa mineur dièse ou un Sol mineur bémol. En passant à la case 6, on va obtenir un Sol mineur. En passant à la case 7, on va obtenir un Sol mineur dièse ou un La mineur bémol. En augmentant d'un demi-ton, donc d'une case, on va obtenir un La mineur. Donc le La mineur se situe sur la 8e case. Ensuite, on va obtenir, en passant la case 9, on va obtenir un La mineur dièse ou un Si mineur bémol. En augmentant d'une case, on va obtenir un Si mineur. Là, c'est l'accord qu'on a utilisé à partir du La mineur. Donc, on a bien un Si bémol, un Si mineur. Et si on se met en position là, on a bien, à partir de la position du La, on a bien un Si mineur. Donc là, on arrive ici. Donc on est sur la case 10, on obtient un Si mineur. En case 11, on va obtenir un Do mineur. Alors, case 10, on obtient un Do mineur. Et en case 11, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. On va obtenir un Do mineur dièse. Voilà. Ça, c'est pour les accords en partant du Ré mineur. Suite à la descente de Ré mineur, on va partir de la descente d'accord en partant du Do. Dans le Do, il faut savoir, bon, tout le monde connaît bien la position du Do. D'accord ? On a bien case 2, corde 2, case 1, l'index, corde 4, case 2, le majeur, corde 5, case 3, on a l'annulaire. On obtient un Do. Or, pour cette déclinaison-là, on va utiliser que les 4 cordes. Pour pouvoir décliner tous les accords. Donc, ce doigt-là ne va servir à rien. Donc, alors, on va passer, à ce moment-là, on va placer son majeur sur l'accord de 2 à la case 1. Et on va placer son annulaire sur l'accord de 4. À la deuxième case, et on obtient toujours un Do. Donc on décolle une case, et en barrant, soit faisant le barré classique, ou barré de doigts selon votre niveau, on va obtenir un Do dièse. Vous voyez ? Ensuite, si on augmente d'un ton, Do dièse, on va obtenir Do dièse ou Ré bémol, forcément. Donc là, on va obtenir un Ré. Et si j'enlève ce doigt-là, on voit très bien que c'est la position de Ré. C'est-à-dire barré. Ce doigt-là. Voilà, donc on a le Ré. Voilà, donc on a bien un Ré. En augmentant d'une case, on va obtenir un Ré dièse ou un Mi bémol. Alors le Mi bémol, souvent, c'est un accord qui fait peur aux gens. Mais en réalité, il n'y a pas de complication particulière. Mais il faut toujours frapper que les 4 cordes. Ensuite, on va obtenir un Mi en se mettant en case 4. En se mettant en case 5, on va obtenir un Fa. En se mettant en case 6, on va obtenir un Fa dièse ou un Sol bémol.
En se mettant en case 7, on va obtenir un sol. Et le fait de décliner ces accords, ça vous permet de trouver des positions d'accords sur tous les manches. Donc là, on est sur la case 6. En passant sur la case 7, on va obtenir un sol dièse ou un la bémol. En passant à la case 8, on va obtenir un la. Voilà, donc sur la case 8. En passant sur la case 9, on va obtenir un la dièse ou un si bémol. En passant sur la case 9, on va obtenir un si. Non. En passant sur la case 9. Je ne me rappelle jamais les cases. J'ai pas de repère sur ma guitare. Donc en passant sur la case 10, 11, 12, donc en plaçant sur la case 10, on va obtenir un, je ne sais plus, voilà, là. Alors là, c'est un la bémol, je pense. Voilà. Donc, je reviens. En case 10, on obtient bien un la bémol ou un si dièse. En case 11, on obtient un si. Et automatiquement, en case 12, on obtient un do. Voilà. Alors ça, c'est la fin de toutes les distances qu'on peut avoir. Bon, il y a toujours possibilité, par exemple, si vous partez d'un la septième avec un barrage, genre barrage 4 cordes, avec soit le majeur ou l'annulaire, enfin comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous avez un la mineur, il faut que vous fassiez un la septième, vous venez vous mettre en case 4, et vous obtenez un si septième. Qui sonne différemment, qui sonne beaucoup plus bas. Donc si septième, si vous vous mettez en case 5, vous allez obtenir un do septième, etc., etc. Donc il faut essayer d'apprendre, quand vous avez une position, essayer de déterminer vraiment une bonne position, que ce soit pour les accords 4 cordes, les accords 4 notes, les accords de septième, etc. Il faut vous arranger pour avoir un accord en début de manche, et pour en fonction du morceau que vous allez jouer, bah vous essayez d'adapter quoi. Par exemple, si vous jouez un do, position 1, là position un do, position 2, position 3, donc c'est un do en case 8, en case 9, 8, vous obtenez un do, et si vous venez vous mettre là en position de ré mineur comme on a vu en case 12, on obtient toujours un do. Donc ça vous fait un éventail d'accords sur le manche. Alors le but du jeu, c'est de bien maîtriser la descente de ces accords, et puis vous devriez normalement bien avancer avec ce système là. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces quatre explications. Voilà, bonne gratte et amusez-vous bien.